Mais le coin bagage. Ah bah la piscine. Et maintenant, où sont tous les rouges? Il en manque. Les rouges. C'est parti avec Sandro. Et nous, on se dit, on manque... Frali. C'est une vallée où la majorité... Mais il y en a tellement des petits... à voir. Il y a pas une photo comme ça. Non, ça, c'est pas l'Antarctique. Le petit bidon là. Il y a le tout, là. Celle-ci. Viens là. Mais d'ailleurs, en dos, j'en fais presque tous les dimanches, mais tout seul, je pense que ça. Yes. Ah, c'est joli, hein. C'est très beau, ouais. Oh, mais j'ai trop d'un banane aussi. Tiens. Tu en veux, toi? Tu pars pas. Et c'est tout là-haut qu'on va? Oui, on voit tout ça au du côté. Ben, il faut peut-être se dépêcher. C'est ça? On est arrivé? Parce que ça fait comme ça. Ah oui, c'est une plaine. Amphithéâtre naturel. C'est un ancien cratère. C'est une caldera. Ouais, une caldera. Non. Et là, c'est quoi? Ah, il y a combien de 2002? Là, on est à 2082. Moi, j'ai 2082. Ah, un peu plus. Avec le GPS. Oh, c'est bien 2006, ça, ouais. La montre est... 2200. C'est génial. Donc, le jeudi, il y a deux petits vieux au marché d'Anguin qui discutent sur un banc. Eh ben, c'est sympa. Ça m'est arrivé. C'est sympa. Coiffé, bien coiffé. Comme il nous disait à l'armée, rasé. En chantant et en attaquant le sol du talon. Ah oui. Mettez les trucs hop, ouais. sur l'épaule. Et le fusil. Le ouais. Fusil, le fusil, puis le sac. Ouais, et puis... Voilà. La belle journée. Là. Allez. Bon. Moi, c'est bien pour cet après-midi. Oh là là. Attention, ouais, ça fait mieux. Oh, ouais. C'est pire qu'à l'armée. Là, c'est l'armée. On chante l'hymne italien, on arrive. Hein, ouais. Déjà au départ. Il y a du monde, hein.
Ah bon, on est dimanche. Ah ouais, on est dimanche. Demain, il n'y aura personne. Bien, non ? Oui, on parle anglais, français. Vous pouvez traduire pour la dame que j'en parle. Yeah, there was a monument, but it was stolen. Ouais. Et c'était en mémoire des morts qui sont morts en avril 1904. Parce qu'ils ont décidé de travailler à l'année. En gros. Même en hiver, ils travaillaient là, et hébergés dans des baraques. Et c'était dans une avalanche ou... Oui, ils n'avaient plus à manger, ils ont décidé de revenir dans la vallée, de descendre. Et pendant la descente, une grosse avalanche les a tués. Et après, ils ont arrêté les vies. Jusqu'en 1930-40, c'était un vrai véritable village habité à l'année, même en hiver. C'est pour ça qu'il y a l'église. Après ça, c'est une colonie de vacances des prêtres. Et derrière l'église, il y a le cimetière où il y a les morts de l'avalanche. La plupart sont enterrés là. Grande traversée de Sestrières au club par le col de Basset, avec une vue fantastique sur les deux vallées le long des chemins de la bataille de la Cieta du 19 juillet 1747. Voilà, une bonne neige de printemps. Super. Ouais, un peu de portage aussi. Et après, on se réveille. Oui, il n'y a pas beaucoup de. Juste le plaisir des chaussées. Ah, c'est la route de l'Assiette. Oui, Colbasset. Colbasset est juste Colbasset, derrière. C'est beau, ouais. Bon, tu restes. Non, on doit aller là. Alors là, il y a une belle vue d'ici, hein. C'est à 360 degrés, comme on dit. Hein. J'aime bien, j'aime bien. Tu as dit qu'on allait là ? Bah, je sais pas, on doit rejoindre les bleus. Mais je crois que c'est pas si on monte là-haut. Bah les bleus, ils ont peut-être mis à table. Ouais, ils ont déjà commencé. Il m'a téléphoné tout à l'heure. Mais il m'attendait parce qu'il avait oublié. Le Ricard. Non.
Ce sont de l'os d'or. Qu'est-ce qu'ils regardent? Et voilà, prenez ça. Moi, ça y est, j'ai la journée. Non, non, pas de sucre, merci. Tu dois avoir encore le café. Oui, moi, oui. Oui, oui, on va goûter le vôtre. Hein. On va goûter. Ouais, on va comparer les deux. Oui, oui, peut revenir. Non, mais... Qui veut venir au sommet? On veut top. Allez, c'est parti. On veut top, on veut prendre. Allons. On aurait pu mettre la bouteille de vin. Ah bah ouais. Attaquons la descente. Qu'est-ce que c'est ça? Une bergerie. Ah oui, la bergerie. Oui. Un Club Med. Hein. Oui, oui, oui. Ah oui, je pensais que c'est l'annexe du Club Med. Club Med, non. Canton La Combe. Le coin de La Combe. Ici c'est Villa
Damon, ça veut dire le village Damon, Bureau, village Damon. Exactement sur le 45e parallèle nord. D'accord. C'est écrit là. Vendredi. Ah, si vous l'achetez. Ah, vendredi. Ah, c'est l'église. Villard d'Amont, le 45e parallèle, passe ici. Ah, le 45e. Moi, je. Bah, ici, ils disent comme ça, mais moi, je dis le ciel est ma règle, le soleil est ma règle. Le, vous comprenez? Oui, oui. Le ciel est ma règle, le soleil est ma vie. Est ma vie. Le défi du jour. Départ en bus, parcours qui nous emmènera au refuge de Tana della Volpe, puis au sommet de la Bonchetta. S'il vous plaît, on ne peut pas des choses pareilles devant tout le monde. Là, c'est là la guitare. C'est là les guitares. La montagne la plus haute qu'on voit ici, c'est la Vognose, je suis hier. Le gros sommet, la neige, c'est 3280 mètres. Le sommet le plus haut de la. Mais le troisième jour de guerre de Briançon, ils ont tiré, ils ont explosé la. Janus, ils ont tiré. Oui. Du fort de Janus, des Gondrans. Gondrans, pam pam pam, ils ont tiré, ils ont pris la. Ils ont détruit. Le dépôt des munitions et c'est tout explosé. Tout sauté. Fini. Voilà. Chaberton. Après-midi. Oui, ah ouais, c'est là qu'on est allé. Ouais. Oh bah, je me rappelais, j'aurais pas reconnu. Non, c'est luxueux. Ah oui, 2528. 2528.
Voilà. Les bains publics. Une voie d'escalade, les bains. Je me plante pas. Au bain. C'est difficile, la face sud. Hein. Oui. Ah, photo de groupe. La paye sur son permis avant d'allumer. Ok, c'est bon. Un, deux. Il devrait mettre des pancartes. Au Népal, quand on est monté à 5003, il y avait des pancartes qui nous attendaient. 5003. You're welcome, ouais, ouais. Avec le petit écho. Quoi. Welcome. Welcome, welcome. Avec les porteurs et tout. On voit bien le refuge du Val-Trancher. Ah, ça flashe un peu, c'est bizarre. Ici c'est pas non, c'est pas connu. On a fait au supermarché. En récompense, faute de participants, ce sera deux demi-journées. Et on fait, on va casser. T'as vu la marmotte? Allez, ça s'est fermé. Hein. Ça va voir, ça bouge. Ah là, voilà. Encore là. Du bus, hein? Ouais, bon. Toi, c'est de. Du bus. Toi, c'est parce que. Ouais, mais moi, j'ai pas de GPS, donc c'est peut-être pas fiable. Non, mais c'est de. Depuis que t'as mis la montre? Non, j'ai mis l'activité randonnée au bus. C'est-à-dire, on a fait le dénivelé tout d'un coup. Ah. Oui. On va boire un peu. Hein? Déjà? Non, moi, j'ai bu là à l'instant. Oui. Donc, il nous retarde. Voilà. On va faire le tour comme ça. Ça va que c'est à 70. Et puis comme ça, c'est très bien. On est en train. On arrive à le compasser. Ouais.
monté au village de Rif, abandonné à la fin des années 1960. Du coup, on a de la chance, ils ont rasé l'herbe. Oui, par la compétition. Oui, oui. Attention ici qu'il y a un peu de... Anzi, d'ortie, quoi. Very toxic. Very... No, la... Ortie? Crapiva. Ой, они что-то так и крапиву боятся. Ну, в прошлом году ходили, кто-то обжегся. Такая была истерика. Et là-bas, là, c'est pas mieux, là. Et là-bas, c'est pas mieux, là, non? Ben, ça doit être bon l'arrière, là, presque plus. Bon, ben, tant pis, on aura les jambes qui piquent. Hein. C'est pas grave. Et puis là-bas, il y a une balise. Si, si, là, c'est le, le traverse. Ouais. Si, si, c'est bon. On peut boire un coup? Ah oui. Magari, on va un peu plus haut qu'il y a la place. Privado. Questo qua. Si, privato. Pas sexy, accès. Si, è divieto parce que là. Ouais. Les maisons, c'est cool. Dangereux. Ouais. Ouais. C'est dangereux. Ouais. Bon, c'est une randonnée où on aura quelque chose à raconter. Eh, si, si. Dans la forêt. Ouais. Ici, c'est un village ben, beaucoup habitat encore. Ouais. Et là, c'est bien que là, tous les cailloux là. Ouais. C'est une des bonifiques de la terrain pour faire la cultivation des pascoles. Oui. Que là, ici, il y aura beaucoup de cailloux, de pierres sur le prat. Alors,
Ah, le boulanger, le four. Le four. Panateria, si. Pour le village? Pour le village. Ouais. Normalement, une fois, era un foie par, ouais, par semaine. Ah, d'accord. Et puis, il reste pour toute la semaine. Plus par l'été, plus par l'hiver. Le pitre de l'Aigle. C'est le chemin inverse d'hier après-midi. Le chemin inverse d'hier après-midi. Ouais, ah oui, oui. Non, je peux manger un peu si je reste au bureau Il n'y a pas de siège. Et des quads maintenant. Ouais. Attention parce que s'il roule dans l'eau, be careful. Ah bah ouais, il passera pas là, hein. Sinon. Bon, ils sont tellement cons, hein. Mais lundi, on est descendu sur la neige. Non, pas moi. Pas tous, pas tous. Moi, j'ai fait le tour. Ouais.
Il est descendu sur les fesses, ouais. Ah oui. Un Corse. Un Corse, hein. Toujours les Corses. Oh, c'est Corse. Les Corses de la mer, parce que les Corses, Corses de la mer, qui habitent dans l'intérieur. Oh, sont ouais. Des montagnards. Ouais. Et il y a la peur avec un peu. Ouais, je suis pas le roi de la descente. Hein. Petite croix, qu'est-ce qu'il y a écrit là, hein, vous voyez? Ouais. Ah, c'est dit, Dio est amour. Le sommet, il est là. Ouais. Le pitre. Et ça veut dire quoi, le pitre? Ouais, pour l'instant, ouais. Ouais. On est paralysé par la frousse, mais on avance quand même. Ah ouais, moi ça, les descentes. Ah, la réunion, j'en ai chié. En plus, ça glissait. Oh là là. Ouais, c'est toi quand ça glisse, il n'y a pas grand. Et t'as le mec devant qui va en courant et tout. Ah, tu dis la vache. Comme à fait exprès, tu mets pas le pied au bon endroit, il s'enfonce dans la boue.
vexé d'être tombé, il marche dedans. Et là, ça aurait été peut-être moins dur. Après l'effort, le réconfort. Mont Blégier. Depuis le village de Soucherbasse, on rejoint les 2583 mètres du Mont Blégier. Point de vue exceptionnel. Le barbecue aujourd'hui. Avant de partir, comme d'habitude, je vous montre sur la carte. L'itinéraire, comment Ouais, on est trempé. Trempé. Là aussi en bas, mais là des jambes. Il a encore la batterie, hein.
un kilomètre. Ouais. Un kilomètre. Mais 6 km par rapport à quoi? Ouais, au départ. Au départ, ouais. Sommet, n'était pas être premier deuxième. Il y a 400 degrés. Et là, c'est quelle ville qu'on voit en bas? Là, c'est Bollard. Et on voit que tu viens du Grand Nord, toi. T'es équipé, hein? Ça va, ça? Ils ont jamais vu ça? Non. Mouchoir, jamais vu mouchoir. C'est le mouchoir. Ah, mon nez, c'est terrible aujourd'hui. Au sommet, c'est tout plat. Ouais. Un petit plus ballon. Le sommet est de là. Le plus haut. On a entendu. Mais j'ai entendu crier. Oui. C'est vrai. On pensait que c'était un petit cri. Bouge pas, Sandro, je vais prendre en photo. Ouais.
votre guide. Mon guide. Le guide de la semaine. Et c'est le jour de l'été. On peut le faire en partant de poussière basse. C'est mieux parce que la pente descend jusque là. Ah oui, il descend jusque là. D'accord, carrément sous chaleur. Mais dis donc, il y a encore. On a la ski. Hein. Ouais. Oh là là, il s'y croit. Quand Gilbert aura pris des cours de ski, tu nous prends tous pour descendre, pour faire le tour de l'assiette. La soirée bivouac. J'ai plus rien à manger. Ah oui, attends-moi. Non, c'est pas vrai. Oh, elle dit, n'est pas good. Hein. On va pas se déshabiller tous et toutes. Par où on passe? Ah mais on monte là-haut? On descend. Ben oui, on pourrait faire la route qui monte et aller au col de Costa Pierre. Mais elle va changer de chaussure. Ah, ah oui. Elle va à sa chambre. Et la main. Mal au pied.